YouTube. De nouveau, Sundered. Alors, le titre du stream, c'était peut-être finir le jeu. Et vu que ça fait déjà 6 fois que je tente d'essayer de tuer un boss, je n'ai pas avancé d'un copec, hormis dans mon arbre de compétences que j'ai bien évolué. Mais le boss, bien sûr, ne tombe pas. Peut-être qu'il va tomber un jour, mais pour l'instant, c'est mal parti. Alors, du coup, on va faire notre tentative 6. Devant les yeux ébahis de tout notre public. De toute façon, à chaque fois qu'on crève, on revient plus fort. Parce que du coup, à chaque fois, on se tape des petits coffres sur la route pour essayer justement d'être meilleur. Encore hâte ce qui peut nous intéresser. Là, par exemple, il y a un coffre qui peut nous intéresser. Est-ce qu'on y va pour être meilleur? Parce que du coup, là, on monte, on va ici. On va sur la gauche là, on passe là, on va là et on chope ce coffre là. Ce qui fait qu'on aura beaucoup plus de gold et beaucoup plus de compétences. Parce que du coup il y a de grandes chances qu'on récupère le pouvoir spécial. Ouais, j'ai proposé un peu de gameplay comme ça parce que à mon avis sinon on le fera jamais. Du coup on va monter et on va faire ça. On va faire ça histoire de... Quoique je pense qu'il y a des hordes là, donc je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense qu'on va faire le boss pour montrer aux gens qui auraient YouTube que on va se faire défoncer la gueule. L'ascenseur du plaisir. C'est là. Alors combien il y a de coffres? Il y en a deux. Là ça vaut trop le coup, j'ai trop envie de le faire de nouveau la horde. Est-ce qu'on staterait pas la horde au cas où là, vu que j'ai plus de stuff maintenant? Alors on fait ce boss, si on crève et qu'on avance pas au niveau des phases, on va juste faire une pause après sur les boss, enfin sur celui-là. Et on va essayer de faire la horde histoire de... d'espérer que le mini talent qui est là-bas soit bien pour essayer de vaincre ce boss. Alors tentative 6. On arrive à passer en phase 2, mais en phase 2 c'est le bordel parce qu'à la fin de la phase 1 je perds beaucoup trop d'HP. Du coup bon, c'est pas fortiche quoi. On équipe les lunettes. Les lunettes qui sont dégueulasses. Donc du coup, on va laver les lunettes avant de les équiper. Alors... normalement, le chiffon est là. C'est bon. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je prends du plaisir sur ce jeu, c'est... ouh ! Incroyable. Est-ce qu'on me voit bien sur la cam? J'ai l'impression que oui. Voilà, c'est propre. Parfait. On s'installe bien. Et c'est parti. On se concentre. Allez. Là je vais sauter quand il arrive, je prends mon temps. Non non mais tu fais pas ça s'il te plaît. Tu peux pas monter? Merci. Oh là là mais c'est incroyable ça.
Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse tirer ailleurs? Là pour l'instant j'ai repris toute ma vie donc du coup c'est pas très grave. C'est pas très grave là ce qui vient de se passer, ça va. Je pense que c'est tu hein. On va le chill tranquille. Comment tu veux que j'évite les balles là s'il te plaît? Ok. Donc là c'est pas si mal hein. Si j'ai pas joué au con c'était pas si mal. J'ai récupéré ma vie, hein. J'ai récupéré ma vie et 5 raquettes de potions. Oh, ah, je suis parfait là. Ah là, je suis très bien. Ok, ok. Ah, je suis pas bien du tout. Ça, c'est parce que j'ai fait de la merde. Pas censé les niquer là les trucs. Ok ok j'ai craqué une potion pour l'instant. Une potion, peut-être bientôt deux. Ok. J'ai commencé la phase 3. Enfin je pense. Mais dis-moi j'ai avancé la phase 2 quoi. Ça vous dirait pas d'aller vous faire cuire un œuf là? C'est pas facile hein. Je sais pas ce qu'il vaut mieux si je tue l'un ou si je tue l'autre, j'y arrive pas. Oh ça va finir sur Genshin Impact si ça continue. Ah c'est la merde. Oh. J'aime bien les jeux durs mais alors celui-là il est chiant hein, putain. Après les boss sont réputés relous donc c'est normal. J'ai tenté une Europe pour me rafraîchir les idées là. Ah mais faut que je joue mieux, là j'ai mieux joué sur les phases et j'ai perdu moins de vie donc faut que je m'entraîne et à arriver à la 30ème tentative eh ben, je vais y arriver. Du coup là faut juste que je me repose 2 minutes parce que sinon je vais péter la manette sur la tête. Et sinon ça devrait aller. Après c'est ça qui est bien, c'est que les jeux trop faciles tu t'ennuies. Là au moins tu passes une heure sur un boss, enfin une heure et demie déjà. Bah ben, au moins
Là, tu peut-être t'en as pour ton argent. Moi, c'est un jeu gratuit, alors voilà. Ah, j'en ai pour mon argent, argent, argent. Là, faut que je fasse ça, que je remonte et que j'aille chercher le petit pouvoir, ok. Oh putain. C'est parti, ça démarre. Horde infinie. Ah, faut courir, hein. Ce shield. Aïe, 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 aïe. Oh là. Des espaces. Ça roule là? Ça roule. En même temps, là j'ai oublié, alors du coup ça risque de mal se passer. Hein. Là c'est. Il faut que j'aille à gauche. Hein. Ça rappelle, je crois. Là faut que j'aille en haut, très bien. Aïe, 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 aïe. Non, me tue pas, me tue pas. J'ai récupéré mon bouclier, parfait. Bon, moi c'est une nouvelle difficulté là, je. Aïe, 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 s'il vous plaît, non, me tuez pas. Putain, c'est l'enfer ce truc là. Là, faut aller à gauche, du coup, à gauche, à gauche, à gauche, ok. Ah, c'est bon, on y est bien, on avance. Progresse. À gauche, ok. Normal, ça devrait aller là. C'est où? En bas? Oh putain. En bas, à gauche. Vais-je réussir? À la fois j'avais galéré. Oh, je l'ai perfect. Alors là, je l'ai défoncé. La dernière fois, j'ai fait 40 tries, j'ai pas réussi. Et là, je vais réussir first try, quoi. Cool. Cool, cool, cool. Une bonne nouvelle. Du coup là j'ai fait ça. À mon avis les trois pouvoirs qui me manquent c'est les pouvoirs des cloches là. Est-ce que j'essaierai pas un petit pouvoir de cloche? Parce que, du coup j'ai fait toutes les hordes, j'ai découvert toute la carte. Est-ce que je ferai pas ça? Le pouvoir des cloches à Caron il est très très dur. Je vais essayer plutôt que de me taper le boss. Je vais retourner à la base. Parce que du coup j'ai un nouveau talent. Et je pense que je vais aller faire un petit pouvoir de cloche. Pour essayer. Parce que j'en ai fait un la dernière fois. Je suis mort direct parce que j'ai rien compris. Là je pense que j'ai mieux compris. Alors qu'est-ce que c'est ce petit talent supplémentaire? Il est là-haut. Augmente les dégâts de vos coups critiques de 250%, réduit vos dégâts au corps à corps et du canon de 30%. Ah! Combien j'ai de chances de crit? C'est inscrit à gauche. Donc les critiques. Chance de coups critiques 23%. J'ai une chance sur 4 d'avoir un critique. Je pense que c'est pas assez. Je pense que ça ne suffira pas. Je retournerai faire le boss tout à l'heure vite fait là. Pour l'instant je profite de ces quelques minutes de répit. Pendant 6 minutes j'ai bien avancé. Vu que j'ai récupéré le dernier talent que je n'avais pas. Où j'avance le jeu, essayer de le finir beaucoup plus en pourcentage. Alors, là du coup, tout ça j'ai trouvé. Là il y avait un talent, ici ça sert à rien. Là j'ai trouvé, là j'ai trouvé, là j'ai trouvé, là j'ai trouvé. Là il y a encore un coffre chelou. Ça ne sert à rien. Je vais aller là. Je vais continuer ici du coup.
en bas, à droite, et je vais aller totalement ici. Du coup, je sais pas comment ça s'appelle, hein, mais je vais aller là et c'est toutes des cloches. Et c'est pas si simple que ça à faire. Donc du coup, on va essayer de faire ça, histoire de voir si vous, ça va me donner des conditions de victoire supplémentaires, plutôt que me faire déchirer la gueule. Parce que là, depuis tout à l'heure, c'est ce qui se passe. Donc là, j'ai tous les coffres en visu. Là, ça sert pas à grand chose de casser les trucs et de les ramasser, hormis d'essayer de trouver des talents améliorés, mais sinon ça sert à rien en fait. Parce que d'un, je les one shot, et en plus ça me rapporte quasiment rien de le faire, donc c'est juste pour le style quoi. Passer au-dessus. Je vais juste les faire dans le cas où où je peux récupérer un talent, mais c'est tout. Donc au-dessus. Pas trop plus chiant? Et tous ces piquants là? Putain, je savais pas qu'un Metroidvania c'était aussi dur. Hein. J'ai l'impression que chaque fois que je jouais des jeux indés, je devais même compliquer la vie. La dernière fois j'ai joué à Céleste. Céleste c'était dur! Oh là, mais mon dieu que c'était compliqué. Mais très bon jeu, hein, exceptionnel. Jeu indé auquel il faut jouer à tout prix. Un jeu sur la dépression. Très peu de jeux qui parlent de sujet. Et vraiment, c'est vraiment pas mal. Donc, histoire à écouter. Bien sûr. Allez! Allez, je vais vous défoncer là. C'est un petit coffre ça. C'est vrai que ça c'est. Ça fait mal ça. Pas les couilles. Hein. Je sais pas si ça me rapportait que de la thune ou pas. J'espère que ça me rapportait des talents améliorés. Oh. Nine, que de la thune, très bien. Ok. Ah, faut voir que je reviens en arrière là. Oh. Ah, c'est un doré en plus celui-là, c'est un doré. Si c'est un doré, c'est qu'il y a un pouvoir dedans, à mon avis. Allez, mais cassez-vous là! Allez, tiens, viens là, là. Je profite parce que là, je fais pas autant le beau, à mon avis. Voilà. Ah si j'ai eu un talent, aimant 2. Bon c'est de la merde mais... C'est un talent 2. Et peut-être que je devrais plus farmer, je sais pas. Parce que du coup j'ai pas de talent ni rien, c'est bizarre. Pourtant j'ai découvert toute la map hein. Je sais pas trop. Je sais pas si je suis pas trop vite arrivé au boss quoi. Parce que là c'est bizarre, je me fais... défoncer la gueule, hein. Oh là c'est... Ah putain, je suis au mauvais endroit. Ah, je trouve que ces temps-ci sur les jeux vidéo, ils font des... vraiment des musiques pas mal. Hein. Entre ça et Genshin qu'on a entendu tout à l'heure, je trouve que la musique de Genshin est extraordinaire. Et ces temps-ci, je fais beaucoup plus attention à ces petits détails de musique, etc. En plus, j'aime bien le jeu qui est dessiné à la main, je trouve ça cool.
Franchement, pas mal. Hein. Pour l'instant, je suis pas déçu, quoi. Allez, les clochettes. On fait une pause sur cette tentative de merde. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Qu'est-ce que c'est? Ah, ok, faut que j'aille en haut. Là, faut que j'aille là. Là, j'active ça. J'aurais peut-être pas dû taper dessus là. Merde là. Fallait pas que je tape dessus. Ah, du coup, je vais ici. En bas, je pense qu'on peut pas y aller, c'est ça? Ouais, c'est bon. Par contre, faut que j'aille en bas, donc du coup, faut que j'active le bleu. Et le bleu va réactiver celui-là, mais y a rien à récupérer. Ah, mais c'est sûr que ça va activer le laser du bas, à mon avis, faut voir. Ah, bah non. Ok. Ah, mais faut que j'active du coup le rouge. Pour ouvrir le truc d'en bas. Donc là, je passe par là. Ici, ici, ici. C'est bon. Quoi? Ah, faut que j'aime le deuxième, ok. C'est donc pour ça. Ok, on est là. Le vert va enclencher un truc. Donc c'est les lasers qu'il y a là. Ici il y a le bleu qui va enclencher un truc. C'est les lasers qui sont là. Là le vert en soi on s'en fout peut-être un peu, je sais pas, faut qu'on aille voir. Et là faut activer le jaune. Il y a aussi le rouge. Donc le rouge il fait quoi? Il active aussi le truc là-bas. Donc là. Oh ça fait des dégâts à chaque fois, c'est pas facile. Et du coup si j'active le jaune, c'est bon en fait. Est-ce que je peux cheat? Là c'est le bleu qui me gêne. Il faut pas que j'active le bleu. Le bleu c'est ok. Donc tout à l'heure on l'activera. Le rouge. Le bleu c'est non. Le jaune. Je vais être baisé. Mais j'ai plus qu'à activer le bleu, c'est tout là. Et après je passe par là, c'est bon. Je crois que j'ai fait une connerie, fallait activer le bleu. Non? Ah, faut activer le bleu, après j'active le rouge. Le bleu c'est celui-là. Le rouge c'est celui-là. Et là tout le monde est ok. Ok, c'est bon. C'est ça. Ah, c'est pas des combats, c'est que des énigmes, ça me branche. Ça va me détendre un petit peu. Alors, rouge, bleu, jaune. Donc ils me disent d'aller en bas. Ok. Faut que j'aille où là du coup? J'aille à droite, là-bas. Et là, c'est la merde. Pourquoi il fait monter là du coup? Il dit d'aller en haut, ok. En haut pour seulement pour débloquer le courant. Donc là du coup, là ici, ça ne sert à rien parce que je suis keblo. J'ai que tout droit. Ok. Donc quand j'active le rouge, qu'est-ce que ça fait? J'active le rouge, ça active ceci. Là j'ai le vert. Et donc là j'ai le vert qui va activer celui-là. Ah mais il y a plusieurs verts! Allez, pas dans la merde. Le rouge est activé, le jaune non.
suis perdu. Je suis perdu. C'était pas ça. Le jaune, c'est lequel là ? C'est celui que j'ai activé en dernier. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ok. On est là. On est là et ça ne sert à rien. Ça y est, c'est le bordel. C'est une énigme méritée. Là, c'est le rouge. Le rouge fait quoi ? Rouge, jaune, bleu. Le rouge est là. Donc, si le rouge est là, c'est ouvert. Ok, le rouge est là, ok. Le bleu est là. Si le bleu est là, c'est aussi ouvert normalement. J'active le jaune maintenant. Où est le jaune ? Le jaune est là-bas et c'est parti en sucette. Parce que là, du coup, on ne peut rien faire. Mais est-ce que je peux activer le bleu en dernier ? Ok, ok, il faut activer le bleu en dernier, je pense. Il me faut le jaune. Vert. Le jaune. Le jaune, le jaune, le jaune. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une connerie. J'ai pas vu. Où est le jaune en fait, je comprends pas. On a vu qu'il y avait ici pour passer là, très bien. Mais là, j'en ai rien à branler, quoi. Faut le vert et le jaune, c'est le jaune que j'ai pas. Le jaune est là, non ? Le jaune me fait ça. C'est le jaune qu'il faut que je trouve. Le rose, c'est ok. Le jaune que j'ai pas. Le jaune est là. Le jaune c'est ça. Ah ! Je fais ça. Je suis pas daltonien. Et bon appétit à toi, merci d'être venu tout ce temps. Alors les couleurs, les couleurs, les couleurs. Au moins ça me repose du boss parce que le boss m'a lessivé l'esprit. Ah, même plus que le vert. Le vert, celui qui est en bas là. Et j'ouvre ça. Et je m'en fous de ça. Attends. L'autre c'est revenir en arrière, je m'en fous de revenir en arrière là. Maintenant comment je monte ? C'est pas la question. Par là ? Par là, ouais, peut-être. Là ça a l'air cool. Ok, c'est pas mal. Est-ce que là je peux encore monter ? Je pense que oui. C'est ouvert, c'est ouvert. C'est fait. Ok, donc il faut enclencher les trois mécanismes pour ouvrir l'entrée, c'est ça ? Donc il faut que j'aille ici là pour le mécanisme là et il faut que j'aille en haut.
Donc c'est que des codes comme ça. Ok, donc j'ai compris l'objectif final. Donc là, il me faut le bleu. Donc le bleu était là-bas. Dès que j'ouvre le bleu, j'ai ouvert le celui d'en haut. Le bleu est là, le bleu est là. Le bleu est là. Si j'ouvre le bleu, c'est bon, c'est ok. Ta mère, putain, ça casse les couilles ça. Donc je vais vers le bleu, donc je vais passer par là. S'il te plaît, sois cool. Ok, c'est bon, c'est bon. Le bleu est là, c'est bon, c'est fait, c'est fait. Bon, là, j'ai ouvert le deuxième endroit. Il m'en manque plus que le dernier. Et le dernier est du coup ici. Donc, il faut juste que je vois ce qu'il faut que j'éteigne, ce qu'il faut que j'allume. Incroyable, ça c'est de la moule hein. Donc là je suis censé avoir ouvert celui en bas là. En bas à droite. Oh là 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 là. Allez, qui avait-il derrière ça? Pour l'instant on n'a jamais trouvé. On n'a jamais trouvé ce qu'il y avait derrière. On a mis des cloches. Les cloches on a vu hein. Mais à quoi ça sert, c'est la question. Vu que là bon ben, on est encore sous des cloches. Ok, donc on est encore sous des cloches, je sais pas ce que ça fait. On est sur un truc très très rouge et désagréable. Mais c'est bon, j'ai tapé là! Ça y est, c'est bon. C'est bon, c'est la fête. C'est le festival de Cannes. Donc le but de là, je pense, c'est de tuer tous les mecs. Maintenant qu'on a réussi à trouver l'astuce. Je pense que le jeu était plus simple là, le truc était plus simple pour la simple et bonne raison que j'avais pas mal de pouvoir en plus. J'aurais peut-être pas dû faire ça là. Pas trouvé plus chiant encore? Je pense qu'il faut que je tue ça. Quand c'est tué, normalement c'est bon du coup. Ah putain, j'ai pris un. Arrête de me faire chier. Heureusement que je récupère toute ma vie. Hein. Phase 2? Non. Oh putain! J'ai le premier! Je crois que j'ai le premier. Alléluia. Oh, je vais faire un screen. Le coût de toutes les améliorations de l'arbre de compétences est réduit de 20%. Donc ça améliore donc le fait que ça coûte moins cher. Oh là là, mais je vais faire le deuxième du coup. Ok, bah je fais le deuxième. Hein. Moi, ça me permet de m'améliorer à moindre coût. Crois-moi que je vais le faire direct là. Ah putain, trop bien! Du coup, je galère pour rien depuis tout à l'heure, j'aurais dû tout économiser. Non, je déconne. Ah ouais, mais 20% c'est vrai de tout ce qu'il y avait là, de 8000 en fait, ça fait énorme en fait. Ah c'est un petit c'est pour ça. Ça coûte moins cher. Oh trop bien. Oh, si je peux peck sa mort comme ça là, ça peut être grave cool hein. En vrai. En vrai de vrai. Du coup, il faudrait aller dans le monde de gauche pour récupérer encore l'autre truc.
Ah, j'ai rage quit un peu, mais c'est cool quand même. Parce que du coup, si j'ai rage quit, ça me permet d'avoir des meilleurs talents. Peut-être que je pourrais mieux finir le jeu, quoi. Parce que là. Du coup, ils ont dit, si vous n'arrivez pas à avancer, essayez d'explorer une autre région. Bon, c'est ce que je fais du coup. J'écoute bien le conseil. J'ai fini mon thé, je suis tellement déçu. Alors, est-ce qu'il y a un truc qui peut être intéressant là? Oh, un fragment. Plus temps d'arriver, où ça? Tout en haut là. Donc aller en bas c'est un peu con, mais fragment c'est pas mal. Donc je vais aller tout droit, je vais récupérer le fragment et après j'irai en haut. Faut que je continue tout droit là, non? Nanana. Tout droit et en bas c'est ça. Nick. Ah ok, c'est one shot maintenant ça? Ok, c'est bon, c'est one shot. Ah mais du coup je suis tranquille hein, si je les one shot à chaque fois. Ah mais c'est parce que j'ai crit. J'ai crit. Ça le problème. Oh, comment j'ai esquivé ça? En bas. À gauche. À gauche par là. Et là on récupère le fragment qui est normalement juste en dessous. Il est là. Donc s'il est là, c'est qu'il est là. Grave cool. Faudrait que je chope le troisième et ce serait parfait. Là il me faudrait du coup juste peut-être. J'arrive en haut donc du coup je vais pas me faire chier. Parce que là si j'arrive par là, j'arrive par ici en fait directement. Il vaut mieux que j'aille à la base. Je reviens au sanctuaire, je vais sur la gauche directement et je recommence parce que là je suis un peu allé trop loin. Mais je pense qu'il fallait que je récupère ce fragment. Ça sert à rien. Encore une petite demi-heure de farming là je pense, peut-être que je vais réessayer le boss avant de partir. Si j'arrive à faire ça c'est bon, mais sinon après je pense que ce boss je le reporterai à plus tard parce que c'était vraiment casse-pied, il est vraiment pas facile. Ok, donc c'est là, il est quelque part par là le coffre. Voilà. S'il est pas là, tant pis, je m'en bats les notes. C'est pas très grave. En vrai. Et merde. Faut que j'aille en haut là, faut que j'aille en haut. Vers la droite peut-être. Ah putain, baiser la gueule, il va encore aller en bas. C'est pas par là. Je sens que là il veut me couiller là. Bah la droite du coup. Là à droite par en haut, par la gauche. Par la gauche encore. Par en haut. Top le coffre. De thune. De la thune. Ok, toujours pas de talent, mais de l'argent.
Allez, foutez-moi la paix là. Je vais vous battre. On va se battre. En fait, je suis tellement strong maintenant que je pourrais rester au milieu de la mêlée et attendre, ça marcherait pareil quoi. Du coup, quand t'as bien amélioré l'arbre, c'est assez le bordel quoi. Là, il me semble que c'est là. J'ai bien de s'écrite. Alors, la cloche est là. On va tuer les gens vite fait. Deuxième cloche. Ok, je vais pas me faire chier, je vais faire ça et j'ai monté. Hop. Et je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Je suis où là? Ah ok, il faut que j'arrive jusqu'à là-bas. Très bien. La cloche est là. Je pense qu'il faut que je casse les liens des cloches, hein, c'est ça, hein, ouais. Dans chaque salle, je pense qu'il faut que je pète la cloche. Enfin, du moins, il faut que je fasse sonner la cloche. Est-ce qu'il y en a une autre cloche, hein? Par ici, par là. Salut! Et cassez-vous, là. Pas ici. Le prochain est en haut à gauche, c'est ça? Ah, faut que je tape plusieurs fois dessus? C'est un timer rapide là. Je trouve que c'est peut-être un timer rapide en fait. J'essaie un timer pour voir. On a tout là, non? Je comprends pas. Mon objectif, moi, c'est d'aller à droite là-bas. Ah, il est là! Il est là, j'ai trouvé. J'ai vu. Ok, j'ai compris. Je viens d'en haut, je cours et je fais sonner les 4 cloches. Comme ça, arrivé à la quatrième, je peux repasser. Et il faut que j'aille vite. Et normalement, les creeps devraient me permettre d'aller plus vite. C'est bien ça, il n'y en a pas d'autres. Hein. Il n'y en a que là. Est-ce qu'il y en a d'autres plus haut? Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres. Très bien. Allez, c'est parti! C'est ça qu'il fallait faire. J'arrive en haut là. C'est ça qu'il fallait faire, hein. Fallait tout péter là.
pense qu'il faut que je pète tous les liens. Et arriver à la fin, ça devait être bon. On va voir. Ok. Donc c'est sûrement ça qu'il fallait faire. Par contre, attends. Là, c'est ce que je dois libérer, c'est ça. Hein. On va voir. Moi, je peux remonter à part là. Donc c'est ce que je dois libérer, il me reste le deuxième splash là. Faut que je passe par en bas et que je remonte. Ok, c'est bon. Et quand j'ai fait ça, je pense que j'aurai un gros boss à tuer. C'est bon là, non? C'est bon là, j'ai tout pété là. Il manque celui-là. Il a tombé là. Il est tombé. Il est tombé. Et je l'ai eu. Parfait. J'ai eu le deuxième du coup. La zone d'effet des coups fatals est augmentée de 50% et les dégâts sont augmentés. Oh, j'ai bien été buff là. J'ai bien fait de faire ça. Revenir au sanctuaire. Donc là, buff de thunes, buff de dégâts. Là, j'ai des gros dégâts maintenant. J'ai 10 000 en plus ça. C'est l'heure d'acheter. À 7840 il me faut. Ah putain, pour un élixir de plus quoi. J'ai combien de chances de coup critique maintenant? 30%. Et il me faut ça maintenant. Il me faut juste ça, donc il me faut du coup 7800. Et c'est bon. Donc là j'ai récupéré tous les fragments de partout. Ici, il n'y a plus rien, j'ai même fait ça. Là, j'ai ça à la limite à faire, mais c'est pour récupérer des talents supérieurs. Je pense. Quand je suis allé en bas, normalement, j'ai tout récupéré aussi. Donc ici, est-ce que j'ai tout? J'ai eu tous les fragments qu'il fallait. Hein. Avec ça, mais je m'en fous. Ça n'a rien apporté. Donc on revient à l'enfer. Là. Normalement, à 8000, je peux avoir un flacon de vie en plus. Et normalement, avec un flacon de vie, je peux le faire. Du coup, cette VOD sera faite pour le farming. Vu que j'ai réussi à améliorer grandement mon stuff. Et c'était nécessaire au vu des branlées successives que je prenais. Parce que là, du coup, il reste le fragment là-haut. Je pense que je vais le faire. Hein. Je vais le faire, comme ça, moi, j'aurai bien farmé et... J'aurai les possibilités de faire quelque chose, ça me permettra sur la route d'arriver à trouver peut-être des coffres, fais voir. Pas de coffre, tant pis. Ouais, si je fais ça, la VOD ça sera en farm et on récupère les clochettes.
contre, les moins 20%, j'ai un peu de travers, mais bon. C'est comme ça. Hein. Le plaisir de la découverte. À la fin. À la fin de l'amélioration. J'aurais trouvé ça à la fin, fin. Ah, franchement, j'aurais eu un seum. Phénoménal. Donc la clochette, c'est ici, me semble-t-il. Donc, on voit le petit design. Salle des cloches. On y est. Donc là, ces cloches, il faut que je casse les différents trucs. Si j'ai bien compris la dernière fois que je l'ai fait. Il n'y a pas de facilité. Quand je vais taper ça, du coup, je passais dans un monde de ténèbres, me semble-t-il. Je pense que c'est obligatoire, on va voir. Je sais pas comment je dois faire. Comme ça. Là, faut que je tape le frag, on va voir. Et si je suis... Ah, et du coup je peux aller en bas, je peux aller dans le fog, ok. Et c'est ce qu'il faut. Là du coup faut que je revienne hors du fog du coup, à droite. Et que je tape du coup sur ce fragment. A mon avis ils vont faire que respawn. Hein. Je pense que je suis en horde là. Ok, je suis en horde, très bien. C'est flou que ça. Normal, ils disparaissent tous. Ok, c'est bon. Ils disparaissent tous, c'est moi. Je dois pouvoir arriver. Aller là-bas. Et donc, peut-être taper la cloche. C'est ça qu'il faut, enclencher toutes les cloches. Celle de droite, j'ai faite. Il reste plus que celle de gauche, celle totalement en haut. Du coup, je pense qu'il faut que je retourne dans le fog encore là. Par la droite. Donc là c'est les hordes, donc du coup dès qu'il y a des hordes on se casse. Il faut que j'aille en haut à droite. Où est le fog là? Où est le fog? Où est le fog? Je vois rien. J'allais à droite, j'allais à droite, totalement à droite. Je suis plutôt dans les ténèbres, plus que dans les ombres. Est-ce que ça passe du coup là pour descendre? Non, ça ne passe pas. Que faut-il faire du coup pour que ça passe? Oh putain! Ici, ok, je peux. Ok, c'était comme ça qu'il fallait que je le fasse. Donc 3, il m'en reste plus qu'un en bas à gauche. Comment y aller sans foutre le bordel? Sans foutre là-bas à gauche, hein, c'est essentiel. Hop, du coup, on va tout sauter. Et je pense qu'il faut que j'aille récupérer le cristal en bas à droite. Il est où? En bas là-bas. Il est là, 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 là. Ok, normalement c'est bon, le truc est à gauche. Là. Comment je peux y aller sans foutre le bordel? Comme ça, hein. Comme ça. Comme ça. Et par là. Peut-être pas par ici. Peut-être par là. Ouais, par là, par là. Ok. Nickel, j'ai ouvert les 5. J'ai ouvert les 5 portails. Maintenant du coup faut que je retourne dans le néant là. Et que je retourne en rond.
putain, je vais faire une connerie. Et c'est le dernier. Vous êtes maintenant insensible à la force de pousser du vent et les dégâts d'obstacles de l'environnement sont réduits de 20%. Parfait. Maintenant insensible à la force de pousser du vent et les dégâts des obstacles de l'environnement sont réduits de 20%. Parfait du coup. Maintenant j'ai tout fait. Venir au sanctuaire. Je pense pas que j'ai eu de la thune, mais du coup j'ai tout fait. J'ai fait les trois clochettes! Oh, j'ai un pouvoir? Quand? Ah, magnétisme. Donc là j'ai pas de thune, donc c'est la loose. Il me faudrait 7800 pour y avoir ça. Oh, je peux l'appeler le farming en val boss, hein. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais continuer à farmer là vite fait. Puis c'est bon. Hein. Je vais aller là, je vais récupérer le coffre là et. Après ça sera bon. Hein. J'arrive à 8000, j'achète mon dernier truc et après je me prépare pour le boss suivant. On va faire ça. Et après du coup j'arrête et. Pour les deux personnes qui me restent, dont mon boudou. Non, ce TP, il est rigolo. C'est parti. Comment j'y vais là-haut là ? Par là-haut ? Possible. Ok, c'est bon, c'est par là. Allez, il me faut 8000, hein. Alors tu donnes, hein. Ah, je crains plus le vent. Oh, c'est trop bien ça par contre. C'est vraiment trop cool, hein. Depuis que Rennes le vent là, ça fait zizir. Hein. Allez, je les défonce, comme ça moi ils me feront plus chier. Ah, j'ai pris cher un peu. Aïe, 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 ça va faire mal, hein. Ça va douiller là. Ça va douiller. Ok, donc j'ai buté les plus gros, c'est bon. J'ai buté les plus désagréables. Ok. Merci. J'avais pas vu qu'il y avait des gens en bas. C'est bon là? Peau dure rang 3, peau dure c'est ce que j'utilise ça. Et en plus j'ai 10000, du coup je vais pouvoir m'acheter encore des trucs en plus. Je vais aller en haut à droite. J'ai à droite. J'ai failli crever. C'est bon, j'ai moins 20% de dégâts maintenant.
mais les clochettes, j'aurais dû le faire depuis trop longtemps en fait. J'ai galéré pour rien parce que j'ai pas réfléchi et en fait c'était trop simple. Par où je peux aller du coup? Alors normalement je devrais bien améliorer normalement le pourcentage de fin du jeu là. Et je devrais m'être rapproché un peu plus de la fin en espérant que ces boss étaient les derniers quoi. Le gros boss c'était bien le dernier parce qu'après je sais pas où on va aller mais... Je sais plus trop quoi. Ça ne marche pas là. Ah, j'ai monté par là vite fait. Comme ça, moi je vais récupérer les deux coffres. Ah, ce qui est bien, c'est que tous les coffres violets me donnent un nouveau talent, donc du coup, c'est pas mal. Je me suis les faire quoi. Je pense que c'est vraiment ce que je vais faire quoi. Ah, on peut aller à droite là? Ok. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, mais je savais pas qu'il y avait un truc là-bas. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un mini-boss! Moi j'aurais fini par ça du coup. Moi qui pensais qu'il allait avoir tout fait. Si tu veux toi. Il a grossi. Ouais, c'est plutôt fastoche. Oh putain, il est gros là. J'ai parlé trop vite. Parfait ça. Ça c'était un boss donné ça. Donné. Ok, où j'ai un fragment en plus. Je n'irai pas un truc des capacités, tu ne mourras pas. Il est où ce coffre là? Je comprends pas où il est. Je sais pas où il est. Allez, venez, je vous corrige et après on sera bon. Ah, je me souviens de celui-là, je suis mort comme une merde. Et j'avais pas autant de spells que maintenant. Ah, bah non, quand même, j'ai la peau dure. Hein. Ah, je viens de perfect toute une zone. Oh, on se calme là, les bordels là. Ah ouais, non, ça fait mal, ça commence à faire mal. Ça commence à faire mal, vous allez vous calmer. Faut que je régène vite fait. Oh, il casse les noisettes, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est lourd. Ok, là c'est bon, je suis assez loin.
ses bords. Oh, j'ai eu un coup de chance en plus, parfait. Aïe. Je ramasse du coup, hein, vu qu'il veut pas se déplacer. Tant qu'il se déplace. Ok, oui, il se déplacera pas. Allez. Oh, je me suis gavé. Parmi le boss, il n'y a plus rien là. J'ai tout clean en fait. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le... ce que j'ai eu à la fin. Il n'y a plus rien en fait. Ça y est, c'est terminé. Ah si, il y a ça. Il y a ça qu'il faudrait que je fasse. En haut, je pense qu'il faudrait que je fasse tous les coffres violets. Je pense que si je fais tous les coffres violets, j'aurai tous les talents niveau 3. Et donc si j'ai tous les talents niveau 3, c'est easy peasy. Mais du coup, je pourrais pas faire mieux quoi. En termes de préparation, je pourrais pas faire mieux. Là, j'ai 28 000 quand même. Alors j'ai eu quoi là? J'ai eu ça, augmente les dégâts de votre canon de 30%. Les boss, bon ça on s'en fout. Récupérez 3% de vos dégâts infligés sous forme de vie chaque fois que vous touchez un ennemi. Du coup, c'est ce que j'utilise, non? Ouais, c'est ça. Ça, je m'en sers. Donc, c'est pas mal que j'ai eu au niveau 2. Et ça augmente votre chance de 3. Ouais, toujours, il manque toujours ces deux-là. Je sais pas comment on les chope, mais il en manque toujours deux. Donc là, maintenant, ça, c'est facile. Donc, ça y est. J'ai 4 fioles de vie. Alors, qu'on voit ce qui manque et ce qui est intéressant. Capacité munitions, on s'en fout. Là, pour déclencher un coup fatal, ça c'est bien. Donc ça, on va le faire. L'énergie, on s'en fout un peu, pour l'instant. Ça, en attaquant vers le bas, on s'en fout. L'énergie, on s'en fout. Et ça, je pense qu'on va faire... ça, ça compte, c'est bien ça. Ah, ça c'est pas mal. Alors, je pense qu'on va commencer par la vie. Et ensuite on fera tout ce qui est dégâts. Et on va prendre le chemin du dégât du coup. Il manque pas grand chose, mais du coup là j'ai bien up quoi. Je vais voir ce qui reste du coup ici. En haut, est-ce que les coffres violets reviennent? S'ils reviennent, c'est que du coup, bon, pas très intéressant pour choper des pouvoirs, enfin des talents améliorés. On peut voir. Ok, donc du coup, ils reviennent. Pour les talents, c'est pas ça. Ah, alors, d'ailleurs, faut que je crame. Faut que je crame le fragment que j'ai eu là. Après on se quittera là-dessus. Allez. Dernier fragment à péter, c'est le dernier qu'on aura, je pense. Et la thune, Fort Boyard. Du coup, j'ai eu 13 000. Je suis sûr que si je répétais l'autre de plus, j'aurais récupéré 20 000 et peut-être des talents en plus et tout. Là, du coup, il n'y a plus rien à récupérer. J'ai tout fait. Là, à gauche, on sait que c'est pour aller au monde démoniaque.
Tout ça, ben, ça ne sert à rien. Ici, ben, on a déjà récupéré, normalement, je pense que ça ne sert plus à rien non plus. Là, ben, c'est un cul-de-sac. Et ça, je l'ai déjà fait. Oh, c'est quoi ça au milieu? Il y a un nouveau truc là. Emplacement de talent supplémentaire. Quoi? Comment ça fait que j'ai eu ça? Ah, ça, je pense que c'est en brûlant les fragments, j'ai des trucs en plus. Oh putain. Il est où? Oh là là, ça apparaît en plus. Oh grave lourd. Alors là, là si j'arrive pas à le péter l'autre. Alors. Ça je l'ai pas, je récupère un max, un pourcentage. Vous récupérez 1% de votre vie max chaque fois que vous tuez un ennemi. Donc ça je tue personne. Les trésors on s'en fout. Les dégâts de coup critique de 150% réduit les dégâts de corps à corps et du canon de 300%. Donc j'ai une chance sur 3 de faire un critique. Donc c'est pas mal quand même. Hein. Et j'augmente quand même de 250%. Donc aujourd'hui on a 250%, je serai à 500% de mes dégâts. Ça je l'ai déjà. Alors ensuite là, ça me sert à rien. Ça récupère l'énergie, ça me sert à rien non plus. Là je récupère. Ça je l'ai non? Ouais je l'ai déjà ça. Augmente vos chances d'infliger un coup critique. Ça peut être pas mal parce que du coup si on fait ça et que les élixirs c'est plus des élixirs de santé et des élixirs de shield. C'est de la merde. Augmente mes chances de coup critique. Réduit la vie de 25%. C'est-à-dire que j'ai 45% de crit, j'ai une chance sur 2 de crit. Si je fais ça. Là, ça réduit ma vie de 25%, ça réduit ma vie de 20, de 25%. C'est quand même lourd. Hein. Et là, est-ce que du coup ça vaut pas le coup de faire ça? Parce que du coup là j'ai une chance sur deux de crit si je fais ça. Ah non, je les défonce. Mais c'est des rangs 1, c'est dommage quoi. J'ai perdu un peu de vie. Et je pense que je les démonte maintenant. Et j'ai une chance sur deux de crit. J'ai 500% de mes dégâts. Crit. Bon du coup YouTube, on testera ça du coup la semaine prochaine où j'espère on va réussir à tuer ce boss. Je pensais changer de jeu la semaine prochaine et malheureusement je n'y arriverai pas vu que là on a fait 7 tentatives, on n'a pas réussi. Du coup je pensais qu'on tomberait le boss mais on n'a pas tombé, on est quand même bien avancé, on a fait beaucoup de quêtes annexes. Étant donné qu'on a fait tous les sanctuaires des cloches et on a ramassé pas mal de talents et on a avancé beaucoup sur les éclats qu'on a ramassés et sur tout ce qu'on a fait partout quoi. Donc du coup c'est pas mal, bien progressé. Donc du coup sur ce je remercie du coup tous ceux qui sont venus me regarder, c'était avec plaisir et je vous dis à la prochaine. Pour ceux qui me regardent sur YouTube, n'hésitez pas à venir en live. J'essaierai de mettre le lien en fin de vidéo. Et pour interagir avec moi. Et je l'espère pouvoir choisir le prochain jeu. Je vais essayer de mettre du coup les vidéos de Sundered vu que j'arriverai à la fin pour les vidéos The Last of Us 2. Donc normalement, je les aurai finis. J'en ai jamais 3. Réaccueillis, donc jeudi, vendredi, samedi. Normalement, dimanche, j'aurai fini. Et je vais poser toutes les vidéos de Sundered.
Pas d'un coup, bien sûr, mais je vais essayer de les mettre. Ça sera nickel et on pourra du coup continuer là-dessus. Sur ce, YouTube, à la prochaine.